Bonjour. Oui, c'est pour peut-être rectifier un peu, c'est les responsables des bureaux fédéraux à la base que j'ai convoqués aujourd'hui, c'est-à-dire les 12 fédéraux de Conakry, et puis bureau politique, comité national de femmes, et la jeunesse, voilà, c'est bon, c'est eux que j'ai invités. Et surtout les femmes, n'est-ce pas, qui sont venues très nombreuses parce que c'est leur. Surtout, je les ai appelées pour les souhaiter bonne fête du mois des femmes. N'est-ce pas, vous savez, c'est hier qui était 8 mars. Mais comme tout le monde ne peut pas, n'est-ce pas, fêter le même jour et tout, nous, on a dit aujourd'hui qu'on se retrouve pour le lendemain. De la fête pour essayer de les souhaiter bonne fête. Surtout, c'était le principal de rencontre aujourd'hui. Quel message particulier avez-vous pour la transmettre? Oui, on a parlé un peu de politique, vous savez, surtout les informations de tout ce qui prouve dans ce pays-là aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup d'événements qui se passent maintenant. Et entre autres, on a parlé du soir, les prisonniers qui ont et la fuite au niveau de Béja Centrale. On était dans ça, il y a eu des problèmes à Corinthie avec les dépôts de carburant, et jusqu'à maintenant on est sur ça. Et les stations aujourd'hui, à peine si tu peux avoir 25 litres par véhicule. Après j'ai informé, comme ils savent bien, et il y a eu des brouillages de beaucoup de radios aujourd'hui, d'autres radios étaient fermées. Et aussi, j'ai parlé d'Internet. Internet aujourd'hui, il n'y en a pas jusqu'à maintenant correctement. Donc ça passe, ça revient, mais depuis, on a fait 3 mois presque dans ça. Et puis, j'ai parlé. C'est l'événement hein, qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. J'ai parlé des mairies. Et à un moment donné, Morkonde, le ministre en charge du territoire, avait presque dessus aussi les maires, il a même demandé le gouverneur et le préfet intérieur du pays et sous-préfet, plus les 6 communes de Conakry pour faire parvenir la liste, n'est-ce pas, des gens qu'on a nommés par rapport aux délégations spéciales. Aussi, on est sur ça. Voilà, on a entendu brusquement la dissolution du gouvernement. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez des premiers pas du Premier ministre? Non, attends, j'arrive. Donc maintenant, il y a eu dissolution. Donc tout ça, c'est événement vraiment qui a fait trembler même la population. Parce que tout ça, c'est ça bien sans qu'on sache. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas, il y a qu'un nouveau Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement encore, on attend le gouvernement. Donc, bon, Premier ministre, pour le moment, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire parce qu'il n'a même pas son gouvernement aujourd'hui. Comment tu peux. Bon, les Français, souvent, ils attendent, ils risquent d'accorder le doute, n'est-ce pas? Ils accordent 3 mois, 90 jours hein, ou 100 jours de chaque, n'est-ce pas, chaque responsable nommé à un poste, soit le président élu, le Premier ministre nommé. On lui accorde au moins les bénéfices de doute pendant 100 jours. Pour le moment, on ne peut rien dire, qu'est-ce qu'il peut faire, mais c'est. Moi, je pense que ça va être très maigre. Quelles doivent être ses priorités? Vous savez, en Guinée, toutes les priorités, tu ne sais même pas d'abord, tu as un bras de soi, tu commences où? Donc, vous voyez, aujourd'hui, priorité, c'est pour d'abord le daré alimentaire. Et surtout, on est au carême presque. On est à Ramadan qui commence lundi. Les chrétiens sont à carême. Donc aujourd'hui, c'est le même moment presque à la veille de tout ça. On a augmenté le riz à 340 de 280 000. On est parti à 340 000. Moi, j'ai été président, n'est-ce pas, président de patronat pendant 18 ans. J'ai géré tout ça. Et président de ça, et président de. N'est-ce pas, secteur privé, pendant combien de temps? Donc, j'ai géré tout ça. Mais je sais comment ça se fait. Chaque fois, n'est-ce pas, que le gouvernement a des problèmes, le secteur privé est toujours appelé pour nous demander de trouver la solution. Surtout, la solution à la baisse de Daré. Mais c'est la première fois que je vois que
qu'on monte là, c'est-à-dire monte le prix de riz, combien, je sais pas combien de pourcents, de 60 000 francs guinéens par jour, par augmentation, par sac. Je n'ai jamais vu d'abord. Comment les gens vont vivre, c'est surtout le carême là. Vraiment, ça, c'est priorité, priorité, priorité. Ça dépasse tout d'abord. On peut faire tout, c'est quand il y a quelque chose dans le ventre. Hein? Tu passes la journée, hein, tu fais carême, hein? Tu ne manges rien, le soir, qu'est-ce que tu vas manger? Ça mange des soucis pour ça. Il y a l'autre aspect, c'est sur l'électricité, on sait que vraiment, mais monsieur, nos parents n'avaient pas de courant avant. Mais tout le monde mangeait. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ils ont des lampettes, ou bien, mais il n'y a même pas de lampes en souvent, parce que les blancs, c'est pas tout le monde qui peut gagner ça avec tous les noirs, tous les africains qui peuvent gagner. Hein? Le tempête, c'est le bois fait, le bois concessé. Bon, l'eau même partait au marigot. C'est des priorités, des priorités aujourd'hui, tout ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas un luxe pour vivre aujourd'hui, c'est-à-dire dans la planète. Ce n'est pas un luxe. Pour du courant, école, route, ou bien, je sais pas, l'eau, manger et tout, c'est en Guinée seulement qu'ils parlent de ça aujourd'hui. Les gens sont en train de, chaque fonctionnaire ou chaque citoyen ailleurs, est en train de chercher une toile. Le toile pour lui, une voiture, n'est-ce pas? C'est-à-dire une vie décente, tout le monde est en train de chercher ça. Mais c'est nous, on se focalise, où il y a courant qui est venu, où il est partout, où il n'y a pas d'eau. Mais je vois des citernes qui tournent encore à Conakry. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc vraiment, c'est que Dieu nous vienne en aide à nous. Sinon, le peuple guinéen, j'ai beaucoup pitié des peuples guinéens. Vous l'avez dit, on a parlé politique. Mais ce n'est pas compliqué. Vous allez retrouver, c'est au mondial, c'est comme le carburant. Hein? Le riz est coté. En bourse. Le carbone, la même chose. Vous allez voir à partir de là combien ça coûte. Vous calculez de là-bas le prix d'achat là-bas, pardon. Vous calculez le transport, c'est combien, comme j'ai dit, jusqu'à arriver, jusqu'à rendre au magasin avant de vendre. Donc, c'est tout prix là et tout le prix réuni là. Si le montant donne par sac, c'est tel prix. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, le gouvernement aussi puisse faire, il puisse aider, abandonner certaines charges telles que douanes, telles qu'impôts, pour que le riz puisse revenir moins cher. Mais si l'État lui veut l'argent, donc qu'il veut que c'est le peuple qui paye tout ça, le peuple ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Voilà. Bientôt, en principe, le mandat du Seigneurie doit finir, en principe, 2024 ici. Est-ce que vous pensez qu'on pourra organiser des élections ici? Non, il faut vraiment pas être, je ne sais pas. Moi, je dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas parce que je veux. Mais comment c'est possible aujourd'hui, on ne sait pas, les 10 points là, qu'est-ce qui est réglé? Demi-point qui est réglé, vous savez, vous? C'est un point qui est réglé, deux points, vous savez? En tout cas, nous, en tant que politique, leader politique, ma carrière politique aujourd'hui, me donne. J'étais candidat à la présidence ici. J'étais député pendant plus de 10 ans au moins. N'est-ce pas? Voilà, chef de file de l'opposition. Donc, mais bon, avec toute cette carrière-là, si on n'a pas encore nous, on ne sait pas réellement on est où, donc je ne peux pas dire que ce qui est sur 9 mois là qui reste. Parce qu'il reste 9 mois, quelques 21 jours, précisément. Donc, est-ce que 3 ans, on n'a pas pu organiser quelque chose? On n'a pas dit aujourd'hui, bon, déjà, on a la constitution quand même, ou bien il y a législatif qui est fait, au moins qu'on a 2 échéances qui sont passées. Si ça restait seulement présidentiel, on peut se prononcer. Mais aujourd'hui, rien n'est fait, on n'a même pas de copie ou de draft, comme on dit, c'est-à-dire le truc provisoire de notre constitution, on n'en a pas. Comment on peut se prononcer sur ça? Bon, quand même, il faut avoir la tête bien assise sur l'épaule pour essayer de dire, bon, on va faire ça dans 9 mois. C'est des histoires. Hein? Mais là, le lendemain de ça, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer.